Bah apparemment, il y aurait des voleurs dans les égouts de Volucité. Et ils volent des glaces locales. Oh, quel outrage! On doit les arrêter! Non, je déconne, voilà la suite. Ok, voilà ces sales voleurs de glace locale. Ils ont pas l'air d'être des lumières par contre. Eh mais je les reconnais! Ce sont les méchants messieurs qui ont piqué le chakriport de ma sœur! À l'attaque, Moustillon! Moustillon? Qu'est-ce que tu lui as fait encore, sombre abruti? Oh, je fais que le pousser un petit peu, il fait rien sinon, ce con! Allez, Moustillon! Attaque Spatio Rift! Hé, hey, mais c'était notre possible, feu bordel, mais y'a plus de respect pour le SDF ou quoi? C'est pas possible! Ouais, t'as trop raison, viens, on trouve un autre endroit! Bande d'hooligan! Sur la vie de nos glaces, on vote Marine en 2022! Oh non, ma trottinette! Vous allez pas vous en tirer comme ça, voleur de glace! Yanaja, est-ce que tu peux me dire pourquoi et comment j'ai connu ce type? Allez, encore un peu... Oh, c'est pas vrai! C'est vraiment une arène, ici? Oui, ça l'est. Ah, et je suppose que c'est vous le champion? Oui, c'est moi. Bah vous en avez pas l'étoffe, qu'est-ce que vous faites dans cet état? Bah, tu vois, je suis artiste en freelance, mes toiles ne se vendent pas, je crève de froid, je n'ai pas mangé depuis 2 semaines, et je suis contraint d'utiliser la toile de mes Pokémon pour faire mes vêtements, construire mon arène et mes rouleaux de PQ. Ah ouais, à ce point-là, c'est vraiment la dèche. Je vais te donner ton badge. J'ai vraiment pas la force de me battre, là. Si vous avez faim, je peux vous proposer ce mets de qualité. Allez, courage, avec un peu de persévérance, ça va rentrer. Oh, merci, merci. Oh, je suis rassasié. Hey, wesh, poteau de la famille. Pour la bouffe, c'est fait, mais si t'as froid, moi, je peux t'aider. Ça sent aussi. Décidément, il te manque vraiment des neurones, toi. Tiens, voilà le badge. Bon, vous venez ou vous avez développé un fétichisme pour les débris de bâtiments? Sais-tu ce qu'est la force des Pokémon? Ouh, toi, tu pues le scientifique cliché qui serait comme par hasard le méchant de l'histoire. Oh, et qu'est-ce qui te fait dire ça? Vous portez un t-shirt avec écrit « Hiker Gettys » dessus. Ah, c'est si évident que ça? Are you ready? Je suis l'électrisante Inesia. Tu vas perdre ce combat aussi vite que ta foi en l'humanité. Ouh, instantanément alors. Vas-y, balance ton Pokémon. Emolga. Ok, ça ne marche pas. On va essayer autre chose. Non, vas-y, bro, s'il te plaît, je suis en arrêt maladie là. Tu fais pitié. Pour m'arriver à la cheville, il te faudra autant de followers sur Instagram que moi. C'est-à-dire 3 millions. Oh non, pas un concours de zob. Lianaja, combien t'en as? Désolé, j'en ai environ 5000 fois moins. Bon bah, il me reste plus que toi. Yo yo yo! Ici Maître Grimms! Est-ce que vous êtes chaud ce soir? Ta gueule! Oh, un petit cochon, je suis morte de trouille. Elle répondait ton nom d'Inesia! Les Poké du coin pouvaient pas lâcher là! Mais sauf qu'elle était tellement pucelle qu'elle était contrainte de coucher avec son zèbre. Que... D'où tu sors cette info, toi? Je vous ai pris en flag l'autre jour. Je me suis permis de lui montrer la photo de votre relation monnayée. Wesh, pour une fois que tes photos servent à quelque chose? Tenez, regardez votre star! Comment oses-tu? Aïe, oui. Ça fera 500 euros la nuit, ma petite dame. Wesh, merci pour ton aide, Nathan, t'es un refrain. Maintenant que j'ai mon public et ma scène, je vais cartonner. Et comme promis, t'auras ta tronche sur mon album. Waouh, quel honneur, je suis flatté. On le laisse là? Ouais, je pense qu'il a trouvé sa place. Et puis bon, si on voit le côté positif, on n'a plus à le supporter maintenant. On est d'accord que même un cheval qui agonise chante mieux que lui. Ah, c'est pas vrai, ça fait un starter en moins. Le prof va me tuer si je ne fais rien. Je dois récupérer celui à Naja au plus vite. Ah! Bordel, il te faut un bac plus 12 pour toquer à la porte, crétin! Pardon. Entre. Franchement, Nicolas, tu me déçois. Te faire démasquer par un gamin, tu devrais avoir honte. Désolé, maître. Votre minois est tellement séduisant que j'ai voulu l'imprimer sur un t-shirt. Silence, Susboul! As-tu rapporté ce dont on va avoir besoin pour le projet FN? Oui, voilà les glaces volutes. Bien. Maître Gettys, vous ne m'avez toujours pas expliqué grand-chose concernant ce projet FN. Qu'est-ce que tu veux savoir de plus?
50 000 Poké-Dollars sur ton compte en banque tous les jours, ça te suffit pas? Non, mais ce projet FN n'impliquerait pas des fermetures de frontières par hasard? Non, pas du tout. C'est beaucoup plus maléfique que ça.